D'après tout ce qu'on a entendu et ce qui nous a été dévoilé, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte, effectivement, qu'on aille vers la performance avec une cohérence d'ensemble du territoire partout où le sport émerge et ensuite rentre dans des structures pour accéder au plus haut niveau. Il me semble qu'il serait intéressant qu'il y ait une meilleure cohérence d'ailleurs dans ces niveaux-là. On ne les trouve pas toujours, parfois oui, mais lorsque un athlète rentre dans une équipe de France, on entend parfois, oui, mais alors il y a du travail à faire parce qu'il n'a pas ci, il n'a pas ça. Bon, d'accord. Mais ça pourrait être justement, si c'était bien décliné, l'objectif, par exemple, des Pôles France, qui eux-mêmes disent souvent que voilà, ceux qui arrivent des Pôles Espoir, il leur manque quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent des athlètes qui viennent des Pôles Espoir, ce qui deviendrait aussi l'objectif de ces Pôles Espoir, et de décliner cette façon d'organiser les choses jusqu'au club, parce que c'est au club que naît la performance. Et si on arrive à faire quelque chose où il y a une vraie compréhension et surtout une ambition de cohérence sur l'ensemble, eh bien on aurait très concrètement une vision de ce qu'est un plan de carrière jusqu'à la plus haute performance. Et ensuite, eh bien, on voit la richesse du Grand INSEP et à chaque étage, eh bien, il y aura sans doute des besoins avec le Grand INSEP pour présenter ce qui fait défaut quelque part ou ce dont il y aurait besoin et à ce moment-là de savoir comment y remédier.